Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'émissions sur les traces du plus grand personnage de l'histoire. François, Jean-Pierre et Gaston vont nous faire découvrir un autre lieu riche en histoire dans le beau pays d'Israël, soit la piscine de Bethesda. C'est dans ce lieu qu'un homme a fait une rencontre extraordinaire avec le Christ. Une rencontre qui a tout changé, qui a fait toute la différence, puisqu'il a été guéri. Et vous, croyez-vous aux guérisons? Est-ce que vous croyez aux miracles? Oui. Et pourquoi? Ah oui, je crois aux miracles. Moi-même, je suis un enfant du miracle. Ouais, aux miracles. Pas vraiment, non. Je te dirais, je crois à la force humaine et à tout ce qu'on est capable de faire, mais je crois pas vraiment au miracle. J'aurais plus tendance à dire que s'il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive, bien, c'est parce qu'on a travaillé pour, qu'on est plus l'instigateur du miracle. Oui, je crois au miracle parce qu'on a des preuves de tout ça. Oui, tout se peut dans la vie. Tout peut arriver. Non, j'y crois pas. Pas tellement, je pense. Non, je suis très réaliste, alors je suis très sceptique, alors je ne pense pas tellement, non. Là, naturellement, de nos jours, je ne sais pas s'il doit s'en passer encore, mais c'est pas trop lourd. Ici à Jérusalem, François, c'est intéressant quand même de visiter les endroits qui sont relatés dans les Évangiles concernant la présence de Jésus à Jérusalem. Mais après 2000 ans d'histoire, avec les reconstructions byzantines et toutes les guerres qui se sont produites, les reconstructions, c'est pas tout à fait facile de retrouver l'endroit dont on a rêvé lorsqu'on a lu les Écritures la première fois. C'est un peu différent, mais on peut quand même, à la rigueur, s'imaginer dans quel état ça pouvait être. Ouais. C'est ça. Une chose un peu dommage, je trouve, c'est qu'il y a plusieurs lieux qui se réclament des mêmes événements. Tu sais, comme j'ai compris que Marie, elle serait née à quatre places différentes. Là. C'est sûr que c'est pas évident de tout mettre ça en place. Sauf que ici, c'est clair qu'on est sur les lieux de la piscine de Bethesda, qui est à l'intérieur du monastère de Sainte-Anne. Elle-même située au nord-est de la ville de Jérusalem. Une tradition affirme que c'est près de cet endroit qu'Anne aurait donné naissance à Marie, la mère de Jésus. Les fouilles archéologiques à cet endroit ont mis à jour deux grands bassins qui sont vraisemblablement les deux piscines construites au 8e et au 3e siècle avant Jésus-Christ. De plus, les arches et les colonnades qui ont été déterrées semblent clairement correspondre à la description présentée par Jean dans le chapitre 5 et le verset 2, là où le Seigneur Jésus a opéré une grande délivrance. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. Ce passage commence en nous disant que, à Jérusalem, près d'une porte, la porte se trouve juste derrière moi, se trouve une piscine, la piscine de Bethesda. Piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Cette piscine de Bethesda, elle est située juste derrière ce mur ici, à ma droite. Et cette piscine, à l'époque de Jésus, était une espèce de grande salle d'attente pour des gens vraiment amochés. Les gens qui se retrouvaient dans cette piscine étaient des gens qui étaient aveugles, des malades, des paralytiques, des gens, en réalité, qui étaient exclus du temple. Ces gens-là n'avaient pas accès au temple. Donc, c'était des parias. Et aussi, dans cette piscine, il y avait une espèce de superstition qui disait que, de temps à autre, un ange venait faire bouger l'eau, et la première personne qui descendait dans l'eau après que l'ange ait fait bouger l'eau était guérie. Quand Jésus est entré dans la piscine, ses regards se sont portés sur probablement l'homme le plus mal en point qui était dans cette piscine.
Jésus a vu un homme qui était là, qui était malade depuis 38 ans. Et la chose la plus drôle, c'est que Jésus va demander à cet homme, « Veux-tu être guéri? » D'une manière toute évidente, s'il est là, c'est qu'il veut être guéri. Et la réponse de cet homme démontre jusqu'à quel point cet homme était dans un immense désespoir. Il a dit à Jésus, « Je n'ai personne. » En plus d'être paralysé, en plus d'être malade, couché sur sa civière, il était aussi abandonné. C'était vraiment l'homme avec le plus grand désespoir qui se trouvait dans la piscine de Bethesda. Et là, Jésus va lui dire quelque chose de vraiment incroyable. Jésus va le regarder droit dans les yeux et va lui simplement lui dire, « Prends ton lit et marche. » Cet homme qui attend depuis 38 ans d'être libéré, d'être guéri, dans cette eau, ça n'est jamais venu. Mais la présence de Jésus ce jour-là a fait toute la différence dans sa vie. Il a pris son lit, il est sorti et il a marché. Il était guéri. Pour lui, dorénavant, s'ouvrait une vie entièrement nouvelle. Il ne vivrait plus jamais comme il a vécu jusqu'à maintenant. Il était guéri. Quand Jésus a passé dans la vie de cet homme, sa vie a été transformée. J'aimerais vous dire que si Jésus a pu guérir cet homme qui était dans le plus profond de tous les désespoirs, il peut aussi vous sortir de votre désespoir. Jésus est le seul qui peut complètement transformer votre vie. Mais pour ce faire, vous devez venir à lui. Vous devez le recevoir comme votre Sauveur et votre Seigneur. Pourquoi, alors que vous écoutez cette émission, pourquoi aujourd'hui ne pas expérimenter la véritable miséricorde? Parce que Bethesda veut dire « maison de miséricorde ». Mais quand Jésus n'est pas dans la maison de miséricorde, il n'y a pas de miséricorde. Venez à Christ maintenant, recevez-le et vous allez voir, vous allez expérimenter la puissance qu'il a pour vous donner une vie complètement nouvelle. Comme on vient de l'entendre de notre ami Jean-Pierre, le Seigneur aujourd'hui est le seul qui peut vraiment changer les choses dans votre vie. Sans doute que vous êtes souvent posé la question à savoir comment est-ce que je peux savoir que je suis pardonné? Comment est-ce que je peux savoir que je suis véritablement sauvé? Jésus vous pose la question aujourd'hui. Veux-tu être pardonné? Veux-tu être sauvé? Quelle sera votre réponse? Vous pourriez, dans une simple prière, vous courber devant le Seigneur et puis lui dire, « Seigneur, je veux avoir la certitude que je suis pardonné, que je suis véritablement sauvé. » Le Seigneur est le seul qui peut répondre, comme il a fait avec justement ce paralytique, le seul qui peut répondre à votre besoin. Et puis si aujourd'hui, vous êtes prête à faire cette prière devant le Seigneur puis lui demander de vous prendre en main puis de vraiment changer les choses dans votre vie, bien, cher ami, acceptez Jésus comme votre Sauveur présentement. Que le Seigneur vous aide à le faire pour sa plus grande gloire puis pour justement le bonheur puis la paix que vous avez besoin dans votre vie. Voulez-vous être guéri? Voulez-vous être pardonné? Telle est l'invitation que nos trois évangélistes vous ont fait. J'aimerais maintenant vous inviter à nous contacter pour recevoir de la littérature gratuite ou aussi pour commander le coffret DVD de la série 2013 pour poursuivre votre démarche personnelle. Voici nos coordonnées. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Nous sommes présentement sur la route qui s'appelle la route du bon samaritain. Et bien sûr, ça fait référence à cette parabole que Jésus a contée un jour, alors qu'un homme religieux, un docteur de la loi, lui avait demandé « qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? » Et Jésus lui avait simplement dit « qu'est-ce que tu vois dans la loi? » Alors, comme il la connaissait très bien, il dit « bien, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. » Alors Jésus a dit simplement « bien, fais cela et tu auras la vie éternelle. »
Mais ce docteur de la loi, voulant prendre Jésus en défaut ou voulant se justifier, comme le dit Luc dans l'Évangile, dit à Jésus, « C'est qui mon prochain? » Et c'est là que Jésus a conté cette histoire qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Un homme descendait de Jérusalem, qui est juste ici, vers Jéricho, et en chemin, des brigands ont attaqué cet homme, l'ont dépouillé et l'ont laissé à moitié mort. Et ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est qu'on voit jusqu'à quel point Jésus n'aimait pas tellement, en réalité, l'institution religieuse de son temps, parce que c'était des gens qui privaient justement le peuple, le commun du mortel, d'avoir accès à la vérité. Jésus dit, il y a un Lévite qui passait. Donc, un Lévite à l'époque, c'était un membre du clergé de l'époque. Et quand il a vu, sur la route ici, lorsqu'il a vu cet homme, bien, il a passé outre. Il l'a vu dans son état, mais au lieu de prêter service et d'aider cet homme-là, il est passé à côté. Et Jésus dit, après lui, il y a un sacrificateur qui est passé, qui a vu l'homme, mais qui lui aussi s'est détourné. Et là est arrivé un Samaritain. Et on sait que pour les Juifs, les Samaritains, c'était des gens, des parias, des gens qui, avec lesquels ils ne voulaient même pas avoir de communication. C'était pour eux des gens de deuxième importance. Et cet homme, ce Samaritain, lui, a pris l'homme qui était à terre, l'a guéri immédiatement avec de l'huile et du vin, et l'a pris sur sa monture et l'a amené à l'hôtel qui était le plus près, l'hôtellerie. Et nous croyons, selon la tradition ici, que les murs qui sont ici représentent cette hôtellerie qui était sur ce chemin entre Jérusalem et Jéricho. Et il a mis l'homme ici, et il a dit au propriétaire de l'hôtel, il lui a donné un montant d'argent, il lui a dit, garde-le tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas revenu en bonne santé, et s'il te manque de l'argent, mec, quand je vais revenir, je vais payer la différence. Et l'homme est parti. Et là, Jésus, après avoir conté cette histoire, demande à ce docteur de la loi, c'est qui son prochain dans l'histoire? Évidemment, le docteur de la loi ne pouvait pas dire autrement que le Samaritain, ce qui était pour lui très difficile à admettre, mais c'était quand même la vérité. C'était celui qui avait fait du bien à l'autre. Cette parabole nous démontre beaucoup de choses, évidemment, mais par-dessus tout, je pense que le bon Samaritain ici, c'est Jésus. Jésus qui nous voit, chacun de nous, sur la route de la vie, souvent meurtri, souvent écrasé par les événements, mal pris. Et comment faire pour s'en sortir? Jésus est là, il est prêt à nous prendre. Et surtout, vous savez, chacun de nous, nous avons été détruits par le péché. Nos vies sont en lambeaux et la religion ne peut rien faire pour nous. Cette parabole démontre que quelque homme religieux que ce soit peut rien faire et très souvent, les gens religieux vont justement se fermer les yeux devant la misère humaine. Alors que Jésus, lui, il est là, il est prêt à nous prendre. Et l'idée de nous amener à l'hôtellerie, c'est qu'il prend soin de nous. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit à l'hôtelier, « S'il manque de l'argent, quand je vais revenir, je vais payer la différence. » En réalité, il prend la charge sur lui. Et ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous sur la croix, c'est qu'il a pris toute la charge de nos péchés sur lui et qu'il a payé entièrement pour tous nos péchés, passés, présents et futurs, afin de nous donner un salut complet. Cette petite histoire ici que Jésus a contée et qui se déroulait dans cette belle région nous rappelle que le seul qui peut vraiment prendre soin de nous, c'est le Seigneur Jésus. Alors pourquoi ne pas venir à lui maintenant, sans tarder? Bonjour Christine Desmarais. Salut François. Tu es là aujourd'hui avec nous pour raconter ton témoignage à l'heure de la bonne nouvelle. Oui. On t'écoute, ma chère. Moi, je viens d'une famille catholique non pratiquante. On parlait pas de Dieu à la maison du tout. Donc, je me suis fait un peu une image du Dieu que je voulais, en fait, là, les croyances qui m'inspiraient. Et j'étais quelqu'un qui était très triste étant jeune, très malheureuse. J'ai toujours été très solitaire et souffrais beaucoup de solitude. J'avais de la misère à rentrer en communication avec les gens. Et très tôt dans mon adolescence, j'ai commencé à avoir des idées suicidaires. Je buvais de l'alcool pour essayer d'être mieux dans ma peau. J'ai pris de la drogue assez jeune. Et j'ai commencé à consulter des psychologues parce que je savais pas comment faire pour être mieux dans ma peau.
Et j'ai suivi beaucoup de thérapies. J'ai lu beaucoup de livres sur le bonheur, sur les blessures du passé, comment être mieux dans sa peau. Et plus le temps passait, plus j'étais de moins en moins bien. Et j'ai commencé à suivre des cours de croissance personnelle. J'appelais des lignes d'entraide. Et ça passait pendant un temps, mais ça finissait toujours par revenir encore plus fort. Ma solitude, mon vide en dedans, mon fardeau, ma tristesse. Puis en 2010, j'étais avec mon chum, on avait deux enfants. Et lui, il fréquentait un ami chrétien évangélique. Et il lisait la Bible, il lisait le Nouveau Testament. Moi, j'étais pas intéressée du tout, j'étais vraiment fermée. Puis on se chicanait beaucoup. Puis un soir que j'étais arrivée chez moi, et là, il m'a dit que le Seigneur avait changé sa vie, qu'il voulait suivre le Seigneur et que Jésus était mort pour ses péchés. Puis là, vraiment, là, ça m'a vraiment mis vire à l'envers. J'étais sûre que c'était terminé. Là. T'sais, on avait deux enfants, puis on s'en allait pas pantoute dans la bonne direction. Puis honnêtement, moi, je pensais qu'il était rentré dans une secte. Puis il m'expliquait que Jésus était mort pour nos péchés, puis moi, je comprenais rien. Je voulais pas comprendre, puis ça m'intéressait pas. Puis ça a duré pendant quelques temps comme ça, où on se parlait pas, où j'étais vraiment fermée. Et puis, un moment donné, je me suis dit que ça avait pas de bon sens, qu'il fallait que je comprenne où ce qui était rendu, qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie. Donc, son ami chrétien m'a invité dans un déjeuner de l'espoir. Donc, je suis allée. Et sur les tables, on pouvait cocher pour avoir un cours biblique. Donc, j'ai coché pour avoir un cours biblique, pour savoir qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de mon conjoint. Je voyais qu'il était de plus en plus transformé, mais je comprenais pas ce qu'il me disait, puis on chicanait tout le temps. Puis, fait que je vais aller voir par moi-même qu'est-ce qui se passe. T'sais. Fait que le cours a commencé, et puis là, plus le cours avançait, plus je comprenais l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix. Et là, je savais plus où m'en aller. J'étais tourmentée. Je comprenais ce que Jésus avait fait pour moi, mais je voulais pas lâcher ma vie. Je voulais pas abandonner mon contrôle. J'essayais de garder un peu de moi-même, ma nature pécheresse, si on veut, qui voulait garder le contrôle. Puis en même temps, je voulais suivre le Seigneur Jésus. Puis là, j'avais peur de mourir et je luttais constamment, jour et nuit. Et puis là, le vendredi, le 13 août 2010, à 5 heures du matin, je me suis levée. Et là, j'étais brûlée de lutter constamment entre vouloir le suivre et les jugements des gens, qu'est-ce que les gens allaient penser, où est-ce qu'on était rendu. Et là, j'ai demandé au Seigneur, je dis là, Seigneur, j'abandonne la lutte. Je veux vraiment te suivre. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Je connais pas grand-chose, mais je veux te donner ma vie parce que là, je suis vidée. Puis je sais plus où je m'en vais, puis je veux te suivre. C'est ça, je veux te suivre. Puis là, je me suis tellement sentie bien après. Là, c'était comme si, enfin, j'avais trouvé le bon chemin. Avec toutes les choses que j'avais essayées pour me faire passer la pilule pour être mieux dans ma peau, j'avais trouvé le bon chemin. Il fallait que je suive le Seigneur Jésus. Puis aujourd'hui, je suis mariée avec mon conjoint. On a trois enfants dans le Seigneur, puis c'est tellement une bénédiction qu'on soit les deux sauvés, qu'on soit avec le Seigneur. Puis ma foi grandit de jour en jour et c'est tellement merveilleux ce qu'il nous apporte dans notre vie. Et, je souhaite ça à tout le monde. Merci beaucoup, Christine, pour ce témoignage. Ça fait plaisir. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'Espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Tu pries le ciel pour qu'il t'apporte de plus beaux jours. Tu mets ton espoir dans les gens qui t'entourent.
Tu vis à la recherche d'un confort, tout faire pour améliorer ton sort, en quête de paix, tu t'y perds. Le soir tu mets Dieu dans tes prières, le lendemain tu l'oublies aussitôt, tu vis ta vie de la même manière, te demandant s'il répondra bientôt. Mais si tu pour toi réellement, quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Tout ce qu'il y a autour de toi vient d'un seul auteur qui t'a créé et qui veut seulement ton bonheur. Ne vois-tu pas qu'il agit pour toi, qu'il veut te montrer qu'il est bien là, mais c'est à toi de le reconnaître. Mets-le en premier dans tes choix, laisse-le diriger tes combats, être la source de ton. Tu as un créateur. Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Qu'attends-tu de lui? Il a déjà tout fait pour toi. Maintenant, fais ton choix. Mais ne passe pas à côté de ta vie. Ne passe pas à côté de ta vie. Mais dis-moi qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement. Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais dis-moi qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement. Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Je vous invite aujourd'hui de venir à Jésus, d'implorer sa grâce, parce qu'il est prêt aujourd'hui de nous pardonner, de nous purifier, de nous libérer non seulement de nos péchés, de nos démons, mais aussi de notre culpabilité, parce que chacun d'entre nous, on est coupable. Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu juste, et nous devons un jour faire face à la musique. Et si vous venez aujourd'hui à lui, si vous prenez votre culpabilité, vous l'apportez au pied de la croix, au pied du Seigneur Jésus, c'est là que lui peut nous pardonner. La Bible dit qu'il a pris sur lui nos péchés, nous rachetant de nos péchés. Alors, si vous voulez être délivré de cette culpabilité, venez à lui. Tel que vous êtes, faites-le maintenant. Dans une simple prière, reconnaissez votre culpabilité. Reconnaissez que vous êtes pris avec toutes sortes de démons qui vous rendent la vie impossible et implorez son pardon. Sa délivrance. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. François, nous sommes juste en face du Mont des Oliviers.
cette montagne qui a tellement d'importance dans le Nouveau Testament. C'est un endroit qui était privilégié de Jésus. Jésus a passé tellement de temps sur cette montagne. Et chose intéressante, il a circulé continuellement sur la route que nous voyons ici, parce que juste de l'autre côté de la montagne, il y a la petite ville, le petit village de Béthanie, où Jésus, lorsqu'il venait à Jérusalem, c'est là qu'il restait, c'est là qu'il demeurait, chez Marthe, Marie et Lazare, ses amis. Donc, c'est certain qu'il a passé très, très souvent ici sur ce chemin. Quand il était à Jérusalem, c'est ici. Il y a aussi le mont des Oliviers, sur lequel le Seigneur Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il y a Gethsémané, où le Seigneur a anticipé la croix. Et une semaine avant la croix, justement, quand le Seigneur Jésus est venu sur un âne, eh bien, c'est de cette montagne des Oliviers qu'il venait pour entrer derrière nous dans ses portes, dans la ville de Jérusalem. Le mont des Oliviers s'élève à 80 mètres au-dessus de la ville de Jérusalem. Il est situé sur le flanc est de la ville. C'était souvent un lieu de retraite et de repos pour le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres. Aussi, de nombreux événements bibliques se sont déroulés sur cette montagne. Entre autres, c'est ici que Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem à cause de son incrédulité. L'endroit même où cet événement a eu lieu s'appelle traditionnellement Dominus Flevit, du latin, qui signifie « le Seigneur pleura ». Voilà, c'est déjà ce qui conclut notre émission. Je vous remercie d'avoir été là et continuez de nous écrire, de communiquer avec nous par les réseaux sociaux, par Facebook ou encore par Twitter. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle.